Si, si, c'est bon, pardon. Coucou à vous, coucou Nîmes, coucou Toto. Comment ça va? Je vais t'expliquer, Nîmes. Attends, je vais lancer le jeu. Parce qu'en effet, il s'est passé un petit truc. Hop. Vive les mitochondries, le camembert rôti, mais totalement le camembert rôti. Oh là là, je te raconte pas. J'ai fait les courses et j'ai résisté à ne pas acheter de fromage pour faire du fromage chaud parce que c'est pas bon pour le bidou. J'ai résisté, je ne sais pas comment. Si, non, mais de toute façon, j'allais vous l'expliquer. Hein. Voilà, parce que bon, c'est vrai que je suis pas en retard d'habitude et juste voilà. En même temps, vous avez le petit truc. Alors, déjà, juste une chose que je racontais à Toto, là, le temps que ça se mette en route et tout. Twitch, tout à l'heure, n'a pas voulu accepter un titre que j'ai voulu mettre. Je voulais mettre à bas les mythos. Mais il l'a pas voulu. Parce que ça ne respecte pas les règles, je pense, de bienséance de Twitch, un truc comme ça. Et du coup, il a pas voulu. Donc, j'ai mis un autre titre. Sinon, bah voilà, bah pour la petite histoire, oui, il y a eu un truc avec les filles. En fait, ma grande, de temps en temps, elle fait des grosses crises, en fait. Mais des grosses crises où, tant qu'elle n'a pas pété à fond, ça ne passe pas, en fait. Donc là, en fait, bah, on est allé dans la chambre pendant la crise. On a bien gueulé un bon coup. Ça a duré un petit moment. Ça m'a épuisée. Et au bout d'un moment. Câlin, explication, on se calme, etc. Là, c'est bon, je pense qu'elle dort. Voilà, le but, c'est de la laisser lâcher prise, lâcher tout ce qu'elle a, tout son trop-plein d'émotions. Tu sais que les enfants, ils ont beaucoup d'émotions et qu'ils n'arrivent pas forcément à lâcher. Et en fait, ben là, voilà, en gros, c'est ça. Il fallait que je la fasse exploser. Voilà. Et donc, c'est très, très prenant, très, très lourd. Heureusement que c'est pas trop souvent, mais bon, nous en fait de temps en temps. Et en fait, ouais. Mais en fait, c'est des trucs débiles, tu vois. Mais dans les trucs, après, tu vois, un moment, elle s'est mise à pleurer à la fin. Elle était sur moi, tu vois, au moment où on se calme, où on réussit enfin à respirer en même temps que maman et tout. On est à court de dynamite, c'est ça. Et en fait, l'un des trucs, bah d'ailleurs, Toto, hein, t'as peut-être pas entendu, puisqu'il y avait la porte fermée à ce moment-là. Un des trucs qu'elle m'a dit quand elle pleurait. C'est qu'en fait, il y a, et ça je le sais, elle est très touchée par l'absence de certaines personnes. Donc on a perdu. Et ça la travaille en fait. Elle comprend ces choses-là, mais ça la travaille, des personnes lui manquent et tout. Et ça, dans ses pleurs, à la base, c'était pas du tout ça. Hein. Mais c'est un des trucs qu'elle m'a dit, tu vois. Voilà. Donc toujours la grand-mamie, tout ça. Ça la touche énormément. Voilà, et donc après, donc ça n'a pas duré tout ce temps, c'est juste qu'après, ça m'a tellement épuisé psychiquement, tout ce que tu veux, qu'en gros, en essayant d'aller coucher la petite, je me suis allongée à côté d'elle pour l'aider à elle s'endormir, et au final, je me suis endormie comme un gros caca. Je trouve pas le dire, c'est Toto qui est venu me réveiller en fait. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc, excusez ma gueule et je suis un peu dans dans le cirage, on va dire. Ouais. C'est. Ouais. On a perdu. Voilà, on a perdu certaines personnes qui s'est. Bah, qu'elle aimait. Et puis. Merde! New game! Non! Mais fuck! Non! Ah non, me dis pas qu'il faut que je relance. Non, 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 je veux pouvoir partir par les Voilà, menus. attends. Fuck! Ça commence bien. Viens t'en mettre. Attends. Aïe, attends. Ça se freine pas. Espérons que ça marche sur celui-là. Non, il marche pas sur celui-là. Non, Tant bah, pis. faut Faut que que tu je redémarres. vais faire. Attends. Non, ça va aller. Non, tu peux pas Attends, on quitter. va voir. Bah, dans les menus après. Je crois pas. Je sais pas, mais je m'en fous. Allez. Parce que t'avais un menu reset, t'avais un bouton reset sur la console. Donc du coup, c'est pas prévu d'avoir un reset dans le jeu. Bah, je sais pas, bah on va voir. Je te le dis. On va voir. Mais laisse-moi un espoir. Ah, peut-être un menu chargé. Pff, mais je suis obligée là. T'as peut-être un oui à charger. Début du programme. T'iras plus vite à Bon, resetter. c'est pas grave. T'iras plus vite à Ouais, mais resetter. c'est chiant. Oh, putain. Échappe. J'en ai marre. Avec un peu de chance, La loose. fais run reset J'ai avec. pas le son. C'est normal, c'est normal.
C'est pour ça, c'est normal que tu ne l'aies pas. On va tester, on sait jamais, avec un peu de chance, il va te le relancer correctement. Avec un peu de chance. T'as le son mais t'as pas. On voit la gueule de la chanceuse quand même. Oui. T'as pas l'image, donc ça sert. Mais j'avais un son. Ouais, donc autant fermer. Et tu relances, qui doit être là je parie. Hey. Mais non mais fuck. Allez, je te relance. Oh, sérieux la loose. Fais charger. Charger ma chérie. Charger. Pas nouveau loup. Charger. Pas bien nouveau. Pas bien nouveau. Bien chargé. Bien chargé. Tu veux un sucre? Merci Chicago. T'arrives sur le live de la loose. Comment ça va? Merci pour les pouettes. Alors attends. Concentré. Comment ça va Chicago? Tu arrives sur sur un beau plantage. On va dire ça comme ça. Comment ça va? Alors attends, chambre numéro 6. Ah bah Chicago, tu arrives. Alors c'était plus pour Shuba, mais toi aussi peut-être que ça pourrait te plaire. Je suis pas sûre, hein. Je sais pas si ça va être là. Mais je sais qu'à l'endroit où je suis, il va y avoir une cinématique, une fameuse cinématique un peu sexe. Mais je sais pas quand est-ce que c'est en fait. Donc là, j'avais. Attends, faut que je. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Tac-tac, c'était carré et R1. Et c'était triangle pour les trucs. Ok. Alors. Ben ça va, écoute. Un petit. J'ai fait une mini sieste avant de venir. Et de toi, tu me réveillais. Je suis un petit peu en retard. Mais tout va bien. Alors, MP 14 sur 40. Qu'est-ce que j'ai pris dans mes trucs? Attends. Alors, le GPS, oui. Ça, c'est mon fusil à pompe avec des balles. Et le fusil à pompe, normalement, tu le charges à distance. Enfin, je sais pas comment ça marche trop. Et ça, c'est de l'eau qui redonne un petit peu de MP. On va faire ça. Utiliser. Ben voilà. Antidote. Attends, j'ai pas de soin là, du coup, ici. Emplacement libre. Alors, antidote. Cécité, paralysie, poison. Retirer de la protection. Mais non, je vais pas. Bah au cas où, je vais prendre antidote parce que visiblement je n'ai pas d'autres trucs et on verra, on avisera. Ok, alors attends. Par contre, pour info, je ne peux pas passer d'une fenêtre à l'autre, sinon ça me bug le jeu en fait, hein. C'est un émulateur pour le coup. J'ai le vrai jeu, mais ça merdoie. Donc du coup, je le fais via l'émulateur. Alors, touk. Et coucou Kiketbot, car on oublie toujours celui-là qui est dans l'ombre. Ne pas sous-estimer les robots, on sait jamais. Ah ouais, non, si le robot il se réveille, non mais là c'est mort, hein. Eh, mais n'empêche, on aurait pu faire un truc comme ça, hein. Vous imaginez ça? Ça aurait pu être stylé quand même, hein. Alors, quand j'avais fouillé, donc là c'est la chambre dans l'hôtel où je vais pouvoir me reposer. Il y avait des bébottes un peu partout et en fait on avait fouillé ici. On avait vu une histoire où il y avait quelqu'un en fait en face au niveau d'un château d'eau. Et donc du coup, on avait vu qu'il y avait une échelle. Donc je vais me tenter l'échelle. Est-ce que tu veux bien? Voilà, on est carrément au pied. On voit qu'il y a une grande échelle rouge là. Donc on va pouvoir se la prendre, je pense. Quoi? Ah si, j'allais dire, attends, tu te fous de mes gueules? Du magoule. Je ferai moto ou presque le Quasimodo. Ok, ça marche mon Quasimodo. Attends, on arrive où là? Ah. Ah oh. Ah, attends. Apparemment, ils viennent pas.
Oh! Bah c'est charmant. Oh! Le bruit m'a fait peur. Sérieux? Salut Gérard. Il a une tête de Gérard. Mais t'as vu les yeux qu'il a en plus? Ah! Alors, je sais pas. Attends, la map c'était quoi ici? Attends. Ok, de toute façon, il va falloir que j'y aille. Ah, bah, on va voir si on peut... Ah, d'accord, on arrive. Il y a le garage avec la petite pièce qui était fermée. Bah, on va voir si on peut l'ouvrir. Et après, de toute façon, bah, va falloir qu'on aille là. Hein. De toute façon, c'est quand même assez dirigé, en fait. Hein. Je trouve qu'il est assez dirigé. C'est pas comme... Enfin, déjà, même les Resident Evil, etc., c'est un peu pareil. Mais il y a quand même, par exemple, surtout dans les plus récents, t'as quand même plusieurs choses que tu peux faire en même temps et tout. Mais tant que t'as pas débloqué ci ou ça, tu peux pas avancer. Ben là, c'est la même chose. Dédicace à tous les Gérard. Gérard Jugnot, Gérard Lanvin, Depardieu, Pensée pour Krida. Je vais me faire attaquer la... Ah! Non, non! Mais fuck! Eh, saloperie! What, 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 what? Ok, donc sachant que j'ai pas tout, hein. Ah, je suis bonne pour recommencer le truc, je pense. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire un truc ici. Use. Je veux Elfouzi. Mais ça me l'a pas changé, là, on est d'accord. Alors. Ah. Par contre, que 3 balles quand même. Hein. Ah bah, ça pue, ça. Où êtes-vous, les mecs? Tu me vises personne, là? Ils sont déjà tipards, les mecs? Attends, avant d'ouvrir, fais voir ta map. Bon. On va regarder, du coup. Un joli petit trou-trou, là. Et on ira dans le trou-trou après. Ah. C'est quoi, ça? Ah oui, attends, il faut que j'essaie de retrouver mes voix. C'est quoi ça? C'est relié au grillage. C'est écrit portail sous le levier. Ça pue ça, non? Ah, regardez. Là-bas, la vilaine. Gina and Roy's Saloon, porte de service. Y'a quelqu'un? Elle est fermée à clé. Ok, vas-y. J'espère que t'es assez prêt. Ah! J'ai un timer. Donc, ils sont où? Bah. Mais c'est chelou. Mais par contre, le combat n'est pas fini. Et coucou Coréa, coucou Delorienne, oh coucou Kyo, oula, il y a du monde d'un coup, coucou à vous, comment ça va? Je pense que...
Ça va être un bon moment de loose, ce live. Il est très bien. Ah! Ah bah ça, c'est l'échelle par laquelle je suis arrivée. Mais ils se sont barrés, en fait, les trucs. Ils se sont barrés où? Ok! Comment ça va, tout le monde? Alors. Alors, du coup, faut que je traçouille. Le lever. Et oui, il va y avoir les bestioles. Ah, ah attendez, hein. Je suis concentrée à... Saloperie. Là. Oh. Mais fuck. Non. Mais non. Vous êtes sérieux là? Mais non, mais je vais mourir comme ça, là? Mais non! Non, mais il y a un truc, là. Je vais mourir comme une grosse... Comment faut que je sorte de là, moi? Je suis censée faire quoi, en fait, là? Y'a... Je suis morte, mais comment je fais, en fait, cette salle? Bon bah ça commence bien, hein. C'est ça, c'est très très... Ouais, j'ai pas compris la salle en fait. Mis à part ça, oui ça va. En pleine écriture, d'accord, ça va les gens. Écriture, ouais, écriture de quoi? Alors attends, bien bien et vous? Oui oui oui, tuk tuk tuk, scénario pour le JDR. Oh. D'accord, ok, tu as... d'accord, ok. Tu nous en avais déjà parlé, ouais, du JDR, ouais. Pépère, génial ça. Oui, moi faut que je m'y mette, j'ai un scénar sur Deadlands... Version 1 à finir, mais je prends pas le temps. Ouais, ouais, ouais. Pff, c'est vrai qu'on est un peu dans tous les sens. Moi, je réussis à peine déjà à me caler, en fait, sur ce que j'ai à faire. J'ai pas compris, en fait, du tout ce qu'il fallait faire, là. C'est magnifique. Moi, j'ai pas le choix. C'est pour ce week-end. Ah ! En effet, ouais, 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 d'accord, c'est pour ce week-end, vous avez prévu une séance et en fait, t'as pas pu finir, en fait, de le préparer, du coup. Alors, par contre, ce qui me plaît pas, c'est que du coup, j'ai pas de soins. J'en ai déposé dans mon coffre ou pas? Parce que là, c'est pas normal que j'utilise toutes mes trucs, ils pop indéfiniment, les trucs, il y a un truc à faire. Mais quoi? Armé, du coup il m'a laissé ça, ok ça marche. Je sais pas. Je vais peut-être prendre les balles d'hydra du coup alors. Attends. Tu peux pas les laisser s'électrocuter. Mais le problème, c'est que... Je vais essayer de voir si je peux passer dans le trou aussi. Parce que le truc, c'est que en fait, il y en a un qui s'est pris à un moment la grille. Mais ça lui a rien fait, quoi. Ça lui a strictement rien fait, en fait.
Il s'est cogné, enfin ça lui a enlevé 15 PV je crois, un truc comme ça. Donc c'est coudal. C'est coudal. Je vais essayer ça, mais je sais pas du tout. La grille lui enlève 15. Oui, c'est ça, ça lui enlève 15. Mais du coup, quand tu vois que je lui fous des patates à 100 par 15, ma vie, j'ai rien pour me soigner, ça va aller 2 secondes, quoi. Pas pu finir, pas pu commencer. C'est pas pareil, en effet, pardon, Kyo. J'avoue, mais en même temps, c'est pas toujours évident de faire tout ce que t'as à faire entre ta vie de tous les jours, ton job, ton machin, les aléas. En plus, tu stream du coup et tout, donc c'est vrai que. Ben voilà quoi. Pas de soucis, je peux faire un scénar 24 heures. Sérieux? De toute façon, faut pas trop resserrer, sinon ça va pas le faire. D'accord, ok. Et par contre, c'est quoi? C'est pour faire un one shot en fait, ou c'est un vrai scénar sur la longueur, on va dire. Attends, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis quoi? Oh. On va reprendre O. Voilà. Bon. Je suis enchantée par cette salle où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon alors ça c'est con parce qu'elle ne la prend pas d'office en fait. Alors. Pourtant c'est pas cette salle là la première fois qui m'a bloqué hein, s'il vous plaît là. Ah mais est-ce que je peux les laisser ici s'électrocuter vous pensez? Je sens mal en fait hein. Parce qu'en fait il n'y a pas d'échelle ou quoi que ce soit hein. Vu que Toto je pense que tu as eu enfin est-ce que c'est parce que tu l'as remarqué ou est-ce que c'est parce que tu as les solutions si tu as les solutions c'est il faut que j'aille dans le... pour moi il faut que j'aille là de toute façon il faut que j'essaye de me barrer par le trou en fait non. Parce que sincèrement, je n'ai pas vu. Mais saloperie! Fuck! Me saoule! Ah! Est-ce que je peux passer dans le trou? Je peux pas y aller. Oh! C'est vrai! Fuck! Mais non, mais regardez, mais c'est pas possible. Sincèrement. Allez! Je vais pas le faire qu'un soin, ça va me saouler. Hein. Je vais changer de jeu, là, au bout de 2 secondes, là, ça me prend déjà la tête, en fait. Ah, mais tu sais comment je suis et que là, déjà, vu comment la soirée a commencé, là, ça m'a pris le chou.
Pas de soucis, je peux faire la nana. Ce sera sur la longueur. S'il reste en vie, ok, ça marche. Ah, mais je sais pas comment tu... Enfin bon, après, t'es habitué aussi et tu connais bien le truc. Je suppose ce que tu vas faire, du coup. Donc, bon, c'est une dernière tentative, hein, parce que ça me... C'est bon, là, j'ai... Ça me gave déjà, en fait. Mais donc, je peux pas prendre le trou. Hein. Donc, ils sont bien mignons, mais... J'ai pas de vie, j'ai rien. Sincèrement, je sais pas ce que je peux foutre là-dedans, moi. Parce que là, ils viennent en continu, les trucs. Hein. Donc, moi, je veux bien, mais... Je suis pas magicienne. Alors, numéro 6, je vérifie, hein, mais de toute façon, on avait fait ce qu'on pouvait faire. Alors ça, comment ça fonctionnait? Pyrokinésie, renforcée. J'ai assez? Attends, comment tu le vois? Expérience 2300. Mais là, par contre, je vais pas pouvoir le faire une deuxième fois. 3000, c'est ça. Bon, déjà, il est niveau 2. Bon. Déjà, c'est ça de fait. 5-6 vaches. D'accord. Donc, ouais, faut que je... Faut que je résiste mieux, alors. Du coup, il faudrait que je me fasse les celles qui sont dehors. Mais faut des... Enfin, ouais, non, il faut de toute façon que je rentre à l'intérieur et... 5-6 vaches, donc faut que j'essaye de tenir. Merci, Toto. Putain, par contre, quand je me suis endormie dans le lit de la puce, je me suis mise dans une sale position et sincèrement, j'ai bobo. Oh! Ah bah ouais! Ah bah c'est mieux ça! Oh putain! Ok. C'est quoi ça? C'est relié un grillage? Ben oui, il faut lever ça, hein, meuf. Hein. Ben oui, hein. Alors maintenant, bien te placer parce que là, à chaque fois, tu te chies. Allez. Mais fuck! Me saoule. Oh, mais non! Putain! Et j'oublie qu'il y a le pistolet, il fait mitrailleur en même temps. En fait, c'est chiant parce qu'il a deux touches, le truc. Allez. On va y arriver, c'est bon, là. Enfin, je m'énouille, là. Non, 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 tu rentres dedans. Oh. C'est pas possible. Ah.
Ah! Attends, attends! Ah! Mais merde! Ils sont sérieux là? J'ai pété mes balles ou quoi? Là, il n'y a plus personne. Ok. Ah, mais sérieux là? Par contre, objet trouvé, c'est quoi? Médicament niveau 2. Ah, bah c'est bien, enfin, du médicament. Ok, merci Toto de m'avoir rassuré déjà. Merci moi d'avoir pensé à aller voir le truc. Merci. Putain, non, sérieux, là, c'était mal barré. Hein. Et vous connaissez ma patience légendaire. Mais ça, je sais que je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait à l'époque, il n'y avait pas de raison que je le fasse pas là. Tu trouves pas qu'elles ont des airs de Céline avant opération? Ah, ouais, ouais, ouais. Elles sont très... très moches. Attendez. Non, je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Alors, les hydras, je n'en ai plus. Et par contre... Enculé. Il m'avait pas chargé les balles. Donc, je me suis retrouvée comme une nouille. C'est super. Merci. Merci, les mecs. Alors... Je me souviens pas. Ah, bonjour mec. Oui, c'est celui-là qu'on avait vu. Je voulais t'aider, mais j'avais peur de te toucher. Quoi? Ah non, c'est lui, pardon, c'est lui. Je m'appelle le Kyle Madigan. Et toi? Aya Brea, agent du FBI. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ces espèces de chevaux à visage humain. Oui, ils sont moches. Moi, je dis des vaches, hein, puisque des chevaux. Ce sont ces fameux NMC, non? Bah oui, un peu, ouais. Mais c'est un spécimen, je sais pas quoi. Ce qui signifie que tu es une chasseuse de MST, c'est ça? De MST. Tu m'as l'air bien au courant, dis donc, toi. Mais t'es qui, au fait? Kyle Madigan. Moi? Je suis un mec. Je suis détective privé à LA. On m'a demandé d'enquêter sur un abri qui se trouve près d'ici. En chemin, j'ai été attaqué par ces monstres. Oh là là, j'ai eu peur. Ma voiture est foutue. Ah merde alors, j'ai fini la route à pied jusqu'ici. Détective privé, hein? Dans cet accoutrement? Ah bah bravo, mec! On n'est plus en sécurité de nos jours. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Qu'est-ce qu'il y a dans cet abri? Ça, c'est un secret professionnel. Je peux pas te le dire, toi, t'es qu'une chasseuse humiste, quoi. Non, en fait, je viens d'arriver et j'en suis encore à chercher des indices, quoi. Voilà, c'est tout, mais tu pourrais être... Que dirais-tu de collaborer professionnellement Comment ça? Que professionnellement, t'es beau gosse? Oh, bon, pas ben, d'accord, allez. Si tu apprends quelque chose sur l'abri, fais-moi signe. Ok. Pardon. Ma voiture, ah bah alors, elle va beaucoup bien, beaucoup moins bien marcher maintenant. Oui, c'est ça. Normal, elle n'a pas de jambes. Mais oui, mais carrément, en fait. Alors, on va voir. C'est un téléphone pour sauvegarder? Oh. On voit tout Dryfield d'ici. D'accord, mais non. Satellite. Bon alors j'ai galéré rien que sur la première scène du jeu qu'on reprend quand même. Hein. Donc ça fait pas trop. Coucou mon Hervé, comment ça va? Encore joyeux anniversaire et bienvenue à Simba parmi les tiens du coup. Comment ça va? Tu viens de rater un début de live monumental. Je fais que du caca, je me suis... Non. Ah oui, non, je veux d'abord fouiller, pardon. J'ai cru que c'était un téléphone, je m'en fous ça, j'irai voir après. Hop là. Alors. Touk touk touk.
Alors, comment ça se passe en ce moment, Hervé, pour toi? Bien, yes. Pour le travail, ça va, ça se passe bien. Bon, il y a toujours du travail hein, dans le milieu de la 3D. Oh, il est beau, le cadavre d'un homme d'âge mûr. Douglas n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Ah, une clé. Ok. La clé du cadavre. Et des médicaments. Ah, bah ça, c'est bien. Parce que là, je manque de médoc. Putain, mais on... heureusement que elle a vu qu'il y avait un cadavre. Parce que moi, là, c'est tellement bien fait que je ne l'ai pas vu. Hop là. Alors, du coup, je vais en profiter. Je vais me soigner, en fait. Hein. Alors, médicament niveau 2. Non, niveau 1. Tu le prends, là? Déplacer. Utiliser. Utiliser. C'est bon. Et on va faire, tac, déplacer... Touk touk touk, ici. Voilà où c'est mieux. Hop là. Alors. Touk. Ah. Mince. Mes oreilles. Alors. Bon, bah, écoutez, on va redescendre et on va espérer qu'on n'ait pas d'autres vaches qui vont... Ah, si, attends. Je sais ce que j'ai pas fait. J'ai pas regardé, c'était une clé de quoi? Utiliser. Non, pas utiliser. Tu peux pas l'observer? Je sais pas. Ah, GIR. Ok, donc c'est bon, c'est la salle qui est en bas. Jean et je sais pas quoi. Le portail est déjà ouvert. Ah, d'accord, ok. Donc tu vas me le laisser ouvert en fait, d'accord. Bon. Si tu veux, un peu tendu niveau bleu. Ah ouais, mais j'arrive à me débrouiller. En même temps, quand tu fais 70%. Ah, ben ouais. Les particuliers, t'en as pas beaucoup. Nous, on a des nids là qui commençaient à s'installer. Toto, il a... Mais attends, j'ai papy aussi. Mais je pense que tu peux pas par là. Ok. Y a pas mal de bébêtes hein, quand même là qui commencent à pulluler. Hop là. Mais ouais, c'est vrai que Barresso déjà sur... Oh non, fuck! Pardon. Attends, tu fais quoi? Fuck! Va dans la salle là-bas. Hop, c'est pas grave, je vais perdre 10 machins là. Tu as ouvert la clé du saloon. Ok, vas-y. Allez, c'est bon. On a un beau petit machin au plafond, là. C'est parfait. Ah, c'est quoi ces machins, là? Non. Mais c'est trop dégueulasse ces trucs, c'est pas possible. Lampe aveuglante. Ok, ça je pense que j'en aurai besoin après. On est dans une cave à vin, c'est bien ça. Enfin c'est bien, moi je bois pas de vin mais... Du sel, des crackers, de la farine, de l'huile d'olive, des flocons d'avoine, des aliments de longue conservation. Ok. Ok, je suis contente de le savoir meuf. Un frigidaire américain. Tiens, il y a un truc sur la porte, ça pourrait peut-être servir. Un aimant. Un aimant Coca-Cola. Je crois qu'ils n'ont pas compris le terme de mouche bébé, c'est ça. Je ne fais que l'emprunter. Mm-hmm. Alors. Et du coup, dans ces drôles de conditions au niveau de l'école, ça va ton fils, Hervé? Parce que moi, je sais que, bon, là, ça va à peu près, ouais, on va dire. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça affectait pas mal les filles. Ouais, ça les travaillait beaucoup. En fait, ils entendent tout le temps, tu sais, le coronavirus, il est partout. Le comptoir est poli comme un miroir. Le propriétaire devait être un peu maniaque. Le pauvre homme, il faudra l'enterrer quand l'enquête sera finie. D'accord, ok. Des bouteilles de toutes les couleurs. Je suis bien contente de le savoir. Des bouteilles de toutes les couleurs encore. Bah vas-y, ok.
Y a pas des bruits chelous là, il va y avoir une bestiole là. Des vieux posters tout jaunis, plutôt que des pièces de collection, c'est l'établissement qui est vieux. Bah oui, et toi t'es pas vieille, Aya? Non mais oh, je te permets pas là. Une belle tape de bière, tu veux pas jouer un peu là? T'es où toi? Ah! Ça a fonctionné ou pas? Fuck! Fuck! Ah d'accord, super, je vais dans les toilettes. Mais fuck, ta maman toi? Ah j'ai plus de vie! Mais ils sont méchants eux! Alors. Mais vous êtes sérieux là? Je vais pas mourir pour des... pour ces trucs là. Oh. Mais ils sont en nombre les vilains là. Il y en a encore. Il y en a encore, j'ai pas la fin du truc. Il est où le dernier? Ah mais c'est des saloperies ces trucs hein. Bon alors maintenant j'ai fouillé la salle comme il faut parce que je crois que dans les toilettes il y avait rien mais je suis pas sûre du coup. C'est un plan de dry field, ben tu vois il fallait que je l'aie quand même, c'est bien ça, ok. Let's go. Donc des chiottes crates, tu t'en fous, ça roule ma poulette. Aya Brea des tonneaux. Ok. Un flipper blue hand. J'aime bien les flippers, mais je n'ai pas le temps. Bah, tu m'étonnes que t'as pas le temps, non mais oh. Mais tu aurais eu le temps pour un bière. Je te le dis. Toujours le temps pour un bière. Un jukebox. Il n'y a que des oldies, la moyenne d'âge de la clientèle doit être élevée. D'ailleurs, Toto, c'était dans le coin, il faudra qu'on se le ressorte le bière. Plus les filles, elles sont curieuses. Hop là. La table a été renversée. Il y a même des traces de pas dessus, de pieds nus en plus. Ah bah dis donc, hein, bravo. Mais bon, il s'est passé des petites choses ici. Donc, sois indulgente, Aya. Hein. S'il te plaît. Attends. Parce que là, il y a le devant du comptoir, j'ai pas fait. Ok. Donc là. Ça. C'est un distributeur de boissons. Ok, madame. Oui, dès qu'il fera pas. Yes. Oui, parce que là, il fait un peu caca. Hein. Canette de coca au fond. Ah bah oui, alors que moi, j'essaie d'arrêter le coca, tu me fais prendre du coca. Mais c'est quoi ça, Aya, sérieux? Tu déconnes, là? Ok, je suis là. Il faut que je retourne là-bas. Et... tout ce qui est rouge, ce n'est pas sécurisé. Déverrouillé, mais je ne vais pas la passer. Parce que du coup... ouais, on va passer... je vais essayer d'aller dans la water machin, là. Hop là. On retourne en arrière, on fait un petit demi-tour. Alors, petit rappel pour ceux qui sont là. Donc, dès qu'on aura nos 200 followers, il y aura un petit live où je serai maquillée en vert. Et je suis en train de réfléchir. Enfin, Toto réfléchit pour moi, en fait. pour trouver un jeu avec des persos verts. Donc, je n'en dirai pas plus. On a des petites options pour l'instant, bien sûr. Il n'y en a pas 36 en même temps, mais voilà. Donc, on a des petites options en tête. Donc, il va y avoir ça. Il y a aussi le goal pour le live 12h. Donc, où vous aurez votre mot à dire sur les jeux en partie.
et où il y aura des goodies à gagner. Donc, je dis bien des goodies. Voilà, ce sera voilà comme ça. Et je vais voir si je le cœur m'en dit. J'essaie de lancer peut-être vendredi un truc. Et Nîmes, d'ailleurs, il faudra qu'on reparle de vendredi. Hein. D'ailleurs, Peratus. Alors, on va essayer de tracer. Est-ce qu'ils vont nous tomber sur la goule ou pas? Je veux pas, je veux tracer. Traçouille, traçouille, traçouille. Allez. Ah, c'est pas comme dans le premier où t'es obligé de te taper des trucs, hein, quand même. Là, je suis mal si j'ai un truc qui me débarque là-dessus, là. Ah, mais oui, mais putain, c'est vrai. C'est vrai, mais ça... Ah, mais je suis con, il fallait que je passe de l'autre côté. Bico, je crois que... J'avais pas vérifié tout à l'heure, mais vu que c'est... il y a une étiquette qui indique Gary Douglas. C'est un interphone... Ah! Qui est-ce? Ah, c'est vous. Je ne peux pas venir vous ouvrir, j'ai retiré ma jambe artificielle. Super! J'ai caché une clé dans le mur, ouvrez la porte et venez me rejoindre. Je suis dans ma baraque, derrière le garage, c'est un ancien camping-car. Ok? Ah! Alors attends, comment tu fais là? Comment je fais? Ah, c'est juste... je l'échappe comme ça? Comment tu fais? Je n'arrive pas à l'atteindre. Il faut trouver un truc pour l'attraper. Mais sérieux, hein. Ta maman. Ta maman, j'ai envie de te dire, là. Non. Mais non. Ça, là, c'est un objet que je peux prendre ou pas? Non. T'es sérieux, mec? Parce que j'ai rien dans mes objets. Regarde, si tu ne peux pas te soigner avec tes pouvoirs... Bah, je crois que pour l'instant, je peux pas, en fait, hein. Tu vois, je pense que c'est ça. Mais toi, ils sont grisés. Sérieux? Oh. Ah, mais faut le comprendre, ce truc aussi. Hein, parce que moi, sincèrement, je croyais qu'on aurait... t'as pas de didacticiel si tu vas pas voir. Moi, je savais pas. Je croyais que comme c'était gris, tu peux pas le débloquer. Elle ne peut pas dégommer le grimage... le grimage. Elle ne peut pas dégommer le grillage. Bah écoute, je ne sais pas. Vu qu'elle parle d'objets, je suis pas sûre. Ah! Non, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Elle va pas le dégommer, ce grillage. Alors, je veux utiliser un objet. Attends. T'es sérieux là? Donc je peux pas aller jusqu'au bout. Alors, faut que je trouve à quel endroit. Mais un petit peu plus en haut. C'est à ça que ça sert, mais comment? Parce que là, elle a pas l'air de vouloir, là. Et Coco Pichou, comment tu vas? Welcome sur ce petit live, un peu de la loose, quand même. Je peux pas jouer avec ma souris. Non, non, mais non, mais non, mais non. Alors, on est d'accord, c'est censé être ça. Mais comment? Mais t'es méchante, Aya. Bah ça va, écoute, un petit peu la loose, mais ça va. Alors attends. J'essaye de trouver. Ah! Voulez-vous prendre cet objet? Oui! Ah! C'est bon, on a réussi.
Ouh. Il n'y a rien. Ok. Alors, il est censé être dans sa... il a dit sa caravane. Ça va être dans quoi? Dans le jumping yard, là? Ou je sais pas quoi, là? On n'arrive pas trop à lire le truc. Driveway. General Store, de toute façon, c'est fermé. Bah, de toute façon, c'est ça. Et après, ah, trailer coach, ça doit plutôt être ça. Non, je sais même pas, en fait. Junk, ah, junk yard. Oh, putain. Oh, sincèrement, alors le yard, oui, mais le junk, je l'avais pas. J'étais content que tu sois venu me voir sur le mien. Ah, de live, mais oui, oui, oui. Alors, quand je parle pas, c'est que je ne peux pas ou que je suis sur autre chose, sachant que, de toute façon, bon, tu sais, nous, on est... par exemple, nous, on est le soir, donc toi, c'est vrai que c'est plus tôt. Mais moi, en journée, je révise, je fais mon travail, et enfin, mon travail, enfin, bon, j'ai des activités, et sinon, j'ai les filles. Donc, du coup, voilà, après, je suis modératrice pour un ami aussi, et ben, quand il fait des lives, je vais aussi l'aider, en fait. Voilà, donc, c'est vrai que si je viens faire le coucou, et après, je peux pas forcément rester, en fait. Mais oui, oui, dans tous les cas, je te laisserai les vues comme ça, le temps que ça t'aide, en fait, à monter un petit peu. Puis voilà, courage pour tes révisions, ça marche bien pour le moment, tu arrives à tenir un peu tous les jours. Ben là, ça y est, ouais, je commence un petit peu, tu vois, ce matin, je me suis tout mis, tout ce que j'avais lu... J'ai fini de le mettre, en fait, je le tape après sur Word. Donc, j'ai fini de me taper ça. Et du coup, bah, quand je vais chercher les filles, en fait, je fais exprès d'aller plus tôt parce qu'après, c'est galère pour se garer, en fait. Donc, du coup, c'est chiant. Donc, j'y vais plus tôt. Et au final, bah, là, tu vois, j'ai eu 20 minutes où j'ai révisé dans la voiture. Le métatarse, voilà, tous les os et les machins. C'est tout ce que j'aime en plus, tu vois. C'est magnifique là où j'en suis. Alors, du coup, on va aller comme ça. Attends. Ouais, bon, c'est déjà ça, madame. Attends, c'est par là qu'on avait vu le mec. Par contre... Voilà, c'était mis pas sécurisé. Pourquoi tu veux pas me l'avoir, lui? Bon, donc je vais sortir parce que si t'as des bugs, que tu veux pas me la voir, je vais pas user mes balles là-dessus. Ça, c'est mieux. Mon live lundi. Ok, attends, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Merci, Nîmes. Ça dure combien de temps? Mon... Oh, petit toutou. Mes révisions, tu veux dire? En fait, j'ai officiellement, parce qu'il demandait une date de fin, alors que sincèrement, c'est impossible de donner une date de fin. C'est des cours préparatoires, hein, en fait, pour pouvoir passer après l'examen qui se passe sur... en gros, la cassette, ça se passe... t'as un à deux jours selon ce que t'as choisi comme animaux en centre, où en fait, tout ce que j'apprends là, tu le vois en condensé sur deux jours, en fait. Sachant que... Voilà le truc, hein. Quand même. En deux jours, ça me paraît un peu chaud. Voilà. Du coup, je vais en faire plus longtemps ou plus souvent. D'accord, ça marche, Pichou. Et attends, je m'enlève ça parce qu'au final, elle me gêne les trucs. Et donc là, je suis au début du premier, hein. Tout simplement, tu as 4 gros livrets. Bon, là, du coup, je t'en ai montré 5, mais c'est 4 livrets comme ça. À savoir que donc dès que tu as fait un module,
Donc, t'as des exercices préparatoires pour voir déjà si t'as compris ton module. Et du coup, c'est les types de questions que tu as lors du passage de la cassette. Donc, t'as 1 à 2 jours de formation condensée. Puis après, t'as, en fin de stage, tu as ton... c'est du QCM, en fait. Voilà, c'est du QCM. Donc, du coup, bah voilà, là, je fais tout ça. À chaque fin de module, tac, les QCM d'entraînement et... Un peu comme toi, tu as rédigé des trucs toi, dans tes examens. Bah là, en fait, il y a des trucs où j'ai vu les questions parce qu'ils sont déjà sur le truc. Qu'est-ce que l'intelligence animale? Et puis, en gros, il faut que je fasse un truc de 2 pages dessus, par exemple. Voilà. Et en fait, à chaque module, je vais avoir 5-6 questions du genre et à rédiger, tu vois, le truc. Et si tu te plantes, tu peux le refaire une fois. Et puis, voilà, en fait, enfin... Ouais, c'est du boulot. Et je t'assure que là, en fait, moi, je n'ai jamais fait... Enfin, tu vois, quand j'ai fait les sciences, la science nat et tout, tu sais, en... Comment ça s'appelle ? À l'école, bah, tu vois un peu le niveau, quoi. Je veux dire, niveau de base, machin, quoi. Que là... ça, t'as plein de trucs que je sais, mais par l'expérience ou machin, parce que tu sais ce que c'est, je sais pas, une robe, si je te dis une robe, tu sais que c'est le pelage du chien, voilà, donc après, là, j'ai fait ça, tout ça, tous les pelages différents, etc., et puis là, c'est vraiment l'anatomie avec le squelette et tout, et c'est là où, alors oui, il y a des trucs que je connais, mais sincèrement, il y en a, je sais plus, à un moment, il m'a sorti quoi, t'as un os chez le chien qui s'appelle Ilion. Je ne savais même pas, ça se trouve, il y en a un chez l'homme qui s'appelle Ilion, mais sincèrement, je ne connaissais pas. Et Ilion, en fait, c'est un os dans le bassin. Voilà. Ouais, mais c'est des trucs comme ça, en fait, voilà. Là, j'en suis à cette partie-là. Alors, batterie, siège de voiture, bouteille de vin, roue, moteur, radiateur. C'est une vraie décharge devant le camping-car de Douglas, d'accord? Ah oui, mais du coup, t'as le chien et je pense que ça, c'est un côté où t'es censé être safe entre le chien et puis c'est quand même chez lui, donc à voir. Hein. Non, c'est du papier recyclé. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis déçue, ce n'est pas de l'érable. De quoi vous me parlez? De mon papier? Qu'est-ce que vous me dites? Ouah, je ne pensais pas que j'aurais un jour à me servir de ma collection d'armes à feu. Au fait, inspecteur Bria. Appelez-moi Aya. D'accord, Aya. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure, j'ai lu le coup de foudre d'un blanc-bec qui disait être ton collègue. Mais j'ai pas de collègue. Ah si, c'est Pierce, pardon. Oui, c'est Pierce. Oh, il y a un téléphone derrière. Il m'a demandé de te louer des armes. Oh, c'est mignon. Contre une monnaie appelée BP. Que je pourrais changer en dollars un peu plus tard. Le mec, il se fait... Oui, c'est garanti, je sais pas quoi. D'accord, tu peux choisir tout ce que tu veux alors. Ouh. Ah, mais trop bien ça. Mais donc, du coup, t'auras pas que des armes là-dedans. Une soudeuse, une tour et plein d'autres outils. Ok. Lignon, c'est une sorte... c'est des sortes d'oreilles de Mickey que forme le haut du bassin. Même chez l'homme. Bah, sincèrement, je ne savais pas, tu vois. J'ai vu ce truc et je me suis... What? Ma femme ne cessait de se plaindre, mais toi, au moins, tu me comprends. Mais moi, c'est juste pour le boulot, hein, mec. Je kiffe pas les armes, moi. Et vous les avez eu, les permis pour toutes ces armes? Il y en a quelques-unes qui m'ont été vendues par les gars de la milice. Mais c'est parfaitement illégal. Oh putain. Ne sois pas si sévère, j'ai lu si vénère. Non mais sérieux, faut que j'aille me coucher, moi. Ce n'est que le passe-temps d'un vieil homme. Mais fuck! Des limes de toutes sortes. Et le chien t'arrête de me suivre, là? Non mais oh! Tu as besoin de quelque chose? Je fouille! Mais non mais je fouille! Oh putain. Bon bah allez, j'ai pas droit de fouiller en plus. Alors comme ça... C'est parce que j'ai dit boulot, arbre... Ah! Ok, à la base, ouais, je n'ai pas saisi. Hein. Ah, mais j'ai pas beaucoup de BP en fait. Alors c'est quoi ça? Pistolet doté d'un système de chargement spécial. Ça veut dire quoi chargement spécial? C'est parce que tu le fais un par un?
J'ai combien? 1200, mais je suis pauvre. Un couteau? J'ai pas envie d'avoir un couteau. Oh, un beau petit lance-grenade, là. Chargeur pour MMMGMCHHH. Ok, bah écoute, le fusil d'assaut, c'est pas pour maintenant non plus, hein. Alors, munitions. Grenade Riot. J'en ai combien? On le voit combien j'en ai ou pas? Je sais pas combien j'en ai. Ok, en protection. Alors, pour l'instant, j'ai pas le droit de me protéger, moi. Alors, lampe aveuglante, gaz lacrymo. Je préfère me prendre ça. Mais t'as cool. Ah non, j'en ai pris plus, en fait. Ah merde, je me suis plantée. Sérieux. Allez, on va s'arrêter là. Hop, hop. C'est quoi la caisse là par terre? C'est un cadeau pour moi en fait, c'est ça? Une solide boîte en fer. Une solide boîte en fer, sachant que moi j'ai une petite boîte en fer. C'est quoi ta boîte en fer là, mec? Alors, attends, je veux pas m'en aller. Je peux. Bien sûr, fais comme chez toi, mais achète-moi quelque chose. Mais je t'ai acheté quelque chose! Tu te fous de ma goule? Ah, c'est toi, Aya! Oh, tu parles, ne me remercie pas, c'était simple comme bonjour. Al, il est parti précipitamment en disant qu'il avait une affaire urgente. On va être tranquille pendant quelques temps. Alors, tu t'en sors toute seule? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de proies qu'il faut se tuer à la tâche. Magnifique. Ok, ok. De toute façon, il y a déjà eu plein de trucs à l'ordinateur, il est relié à internet. Alors, fais voir. Et je peux aller par là? T'es sérieux, là? La porte de la cabine, il n'y a même plus de siège. Ah oui, mais je me disais aussi... Au revoir, Douglas, je me taille. Alors, safe ou pas safe, ça? Alors, c'est un chariot élévateur, tout à fait madame. Et ça pour l'instant, mais on le voit trop bien, c'est un truc, on va... Ça là, on va y avoir droit tout à l'heure. Je n'en ai pas besoin. Du coup, on va faire quoi, attends. Key item. Clé de l'atelier, mais ça du coup, tac, elle est assez usée. Et mon clé du saloon. Bon, bah, je sais pas. Là, par contre, on n'a pas d'indice, donc il y a une histoire qui va nous tomber sur la gueule, je pense. Et Water Tower, de toute façon. Parking, mais de toute façon. Ben, j'ai pas d'autre clé, hein. Bon, ben, écoutez, j'ai sauvegardé là, donc... value, on va dire que c'est ok. Let's go. Ah là là. Mais t'es sérieuse, là? C'est bon, c'est fini, toi. Ah bah, on va peut-être pouvoir fouiller son camion. Cette camionnette n'est pas facile à se demander comment elle peut encore rouler. Hein. Mais en...
On t'en pose des questions, Aya? Non, mais t'es sérieuse, là? Ah non, mais je l'avais déjà fouillé, en fait, ça. Hein. Bah, je vais retourner à ma chambre, je pense. Allez, je vais aller faire un petit dodo, c'est ça? Poutou, 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 poutou. Alors... Bah du coup, je vais ressortir par là, n'est-ce pas? Alors, la vache, tu es là? La vache, qui est en fait un cheval. J'ai toujours cru que c'était des vaches, ces trucs. Alors... Ah, ils ont pas mis de trucs pour m'embêter, là, cette fois-ci? Ah, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? C'est pas ça qu'il fallait faire. Mais vous êtes sérieux là? Je me suis loupé un truc ou pas là? Ah oui, attends, ça. C'est quoi ça? D'accord. Voilà, je peux rien faire de toi. Ah oui, il y a le tranquillisant. Permet d'annuler les états de confusion, excitation, aphasie. Alors, toi, je vais te déplacer. Lampe aveuglante, pour l'instant, je vais te déplacer. On va garder ça comme ça. Je veux bien, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir, là? Je vais revoir mes items. Clé de l'atelier, on vient de le faire. Aimant, je l'ai fait. Clé du salon, je l'ai fait. Chambre, et après, c'est plus ça. Donc, c'est pas là-dedans. Ici, du coup, annule tous les états. Ah, c'est bien, ça. 1138. C'est quoi? Décharge électrique, renverse les ennemis par une onde de choc. C'est bien, ça. Augmente la puissance des balles. Oh, mais c'est top aussi, ça, dis donc. Réduit les dommages physiques. C'est encore mieux, ça. Alors, par contre, tu peux t'en choisir qu'un, en fait, dans le truc, quoi. Je vais me prendre ça. Vous n'avez pas assez d'XP. Fuck. Allez, décharge électrique, ok. Et du coup, je peux pas avoir en combat celle qu'elle. Attends. Régénérer. Ah oui, d'accord. Ok. Ça marche. Et ça, c'est leur coup qui est à côté, d'accord. Bon. Bah, je ne sais pas. Alors, parce que ça c'est fermé, ça c'est fermé. Mais il faut que j'aille... C'est quoi B? Attends, fais voir. Là on avait B. Téléphone, ok, c'est les coffres. Je vais pas y retourner juste pour voir si la petite boîte a fait quelque chose avec la grosse boîte, quoi.
Mais là, j'ai pas d'autres clés. Le lobby, je vais voir si clé de l'atelier, ouais, mais non. Je sais pas du tout, là, en fait. Il y a tout un truc que je n'ai pas. Je sais pas, j'ai dû louper un truc, là. J'en sais rien du tout. Et Junkyard, on voit quand même qu'il y a l'espèce de grille, hein. Mais je dois pouvoir y aller, je pense. On va descendre déjà. Allez, on va fouiner. J'en sais rien. D'habitude, c'est dirigé. Et là, c'est pas dirigé en fait. Donc, je ne sais pas. Que là le problème c'est que les trucs je peux pas y aller, la porte est fermée à clé, mais oui, mais c'est ça. Mais ça on s'en fout. Feuillèche là. J'ai rien à foutre là-dedans. Hein. Sérieux, c'est pas les mêmes. C'est pas ça que je voulais. Non, fuck. Ouais, mais en attendant, ça m'aide pas quand même. Bon, donc je suis perdue, donc je vais aller voir sur internet parce que je ne sais pas, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je suis désolée, je vais voir parce que ça me gave. Je suis dépitée là, ça me gave. Solus, parasite,
F2. Oh, ça me fait chier de regarder. Alors maintenant, on va trouver où t'es la tour, je m'en fous. Alors... Château d'eau, ça c'est fait. Ah putain. Faut que je retourne voir le mec. Il faut que je retourne voir le mec. En gros, tu pouvais acheter et parler, et je n'ai pas parlé. Je me dis aussi que j'avais loupé un truc, parce que c'est guidé en fait. Ouais, merci. Merci, tu pouettes. Je veux passer ces escaliers! Oh putain, il m'a fait peur! J'ai flippé! Merci! Oh! Alors là, faut que j'essaye d'aller directement à la porte. Ma porte, ma porte, ma porte, s'il vous plaît. Ouf. Bon. Ah, je suis con. J'espère que c'est juste ça, hein, vraiment. Et que ça va me débloquer parce que sinon je vois pas ce qu'il y a. Alors c'était par là. Hop là, allez. Cœur sur toi, m'anime. Alors ce jeu, comme je vous avais expliqué, à la base, il y avait une scène qui m'avait bloqué et qui avait fait... Enfin, j'avais bloqué, j'avais pas fini le jeu à l'époque. Hein. Donc là, ça, tout ça, je le sais et je vous dirai quand on sera à la scène, je sais, je suis quasiment sûre que c'est dans cette ville désertique là. Parce que c'est les mêmes monstres qu'il y a qui m'ont... gêné à un moment donné. Ben, on y retourne. Ah, par la même occasion, j'aurais dû regarder là, parce que sa boîte m'intrigue. Tu as besoin de quelque chose. Que savez-vous sur l'abri? Putain. Il paraît qu'il y a un abri par ici. Hein. Un abri? Ah oui. Ce truc construit par les miliciens qui craignaient un hiver nucléaire. Je m'en souviens, comme si c'était hier. C'est vers la montagne. Il est encore utilisé? Ça, j'en sais rien. Mais bon, avec tous ces mythos, on sait jamais. Il paraît qu'il a été racheté par une compagnie il y a quelques années. Vous avez entendu? J'ai pas entendu un cri. Mais si, c'est ça. Ah, tu es sûre? Oui, je crois que c'est un cri de femme. Je n'ai rien entendu, moi. J'en suis certaine. T'es sourd, mec. Pardon. Ça venait de par là. Oh, pas de soucis. Moi-même, j'étais en retard, Alex, alors t'inquiète pas. Comment ça va? On l'a condamné pour que personne n'y rentre dans l'abri. C'est peut-être... je vais aller voir. Ok, comment on s'y rend hein? Oui, ça va. Je suis un peu en mode loose, mais ça va. Il faut passer par l'épicerie, mais le propriétaire est un type très méfiant. Et malheureusement, il ne m'a pas confié les clés. Mais j'y pense, si tu descends dans le puits derrière mon atelier, le puits là où il y a les chauves-souris, tu trouveras un souterrain qui devrait donner sur l'épicerie.
C'est un peu humide, mais c'est plus sûr que de passer par dehors. Merci Alex pour les pouettes. Comment tu vas? Quoi de neuf? Mais je peux y aller seule. Il va me falloir une lampe de poche quand même, que j'ai laissée un petit peu partout, mais sauf que je l'ai pas prise, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah putain. Je crois que je l'ai posée, la lampe. Quand je vous dis que c'est la loose. Non, non, mais je veux pas déplacer. Mais quand je vous dis que c'est la loose. Après, lampe de poche, c'est surtout pour flasher les trucs. Mais ça doit les aveugler, je pense. Mais attends, par contre... On va faire ça. On va faire... Eh, attends, qu'est-ce que tu me fais, là? Déplacer, je me suis plantée. Là. On va faire un petit deux. Là, et de l'eau, ok. Allez. Hop. C'est good, c'est parti. C'est parti, comment va Super Dinde? Super Toto. D'ailleurs, samedi, on devrait recontinuer le Super Dinde. Ah, et Nîmes, bah, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais on avait vu avec Toto, on voulait te demander si ça t'intéressait de venir avec nous, du coup. Douglas, montre-lui le chemin. Ouais, mec, j'y vais. Sans prise avec Human Fall Flat. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai pas dit Human Fall Flat? Oui, Human Fall Flat. Pourtant, je l'imagine bien soignant son petit intérieur. Oui, 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 d'accord, meuf. T'as raison, t'as raison. Oui, petit chien, j'arrive. Voilà, je suis là. Alors, tu me dis d'aller où, toi? Fuck. Hey, what? Mais fuck! Tu te fous des mouilles, hein? Néméo! Ok. Alors, attends. Hâte de vous voir à l'œuvre. Yeah! Ah, oui, oui. Mais vous vouliez le faire en amoureux, donc... Non, il n'y a pas de souci. La première, en tout cas, on voulait le faire ensemble. Après, non, non, avec plaisir, Nîmes. La dernière fois, on est resté, oui, comme ça. Attends. Je pourrais... Ah, pour descendre dans le puits. Mais oui, voilà, tu vois, je t'avais dit que c'était utile. Et maintenant, tu viens avec moi. Ah non, merde, tiens. On se casse, hein. C'est bon, on a marre. Alors vas-y, je te suis, chien. Tu me dis de prendre la porte là, ok, d'accord. Je te suis, hein, parce que je sais plus où c'est mon... C'est mon guide. On dirait une petite table à dessin, mais je m'en fous, Aya. J'ai déverrouillé... Je l'avais pas déverrouillé. Donc je suis très heureuse. Je vais descendre là-dedans. Oui, ouais, alors il faut vraiment que je le fasse, mais sincèrement, ça je vais pas le faire le soir, je pense que je le ferai en journée. Mais en journée, je sais pas, parce que comme je fais mes révisions et tout, faut que je fasse mes textes et tout, c'est vrai que là en ce moment c'est un peu compliqué, tu vois, là depuis ce matin j'ai révisé, j'ai regardé, donc comme tu vois le live de Nocti, j'étais en train de taper, de remettre sur Word mon truc. Mais c'est vrai que ça va être ça en priorité, puis faire un petit peu
tous mes trucs, donc ça, ce sera, je pense que ce sera qu'au jour le jour que je pourrai te le dire, quoi. Après, si c'est qu'une heure ou deux, je sais que c'est pas la peine, par contre. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ce n'est pas rassurant. Non, tu m'étonnes que ce n'est pas rassurant. Il n'y a même pas de saut. Mais oui, mais je m'en fous. Je le sais. Tu veux pas utiliser ça. Tu fais pas comme dans les autres jeux. Il faut que j'aille dans mon menu pour l'utiliser. Bon, c'est un ancien, c'est pour ça. Et t'inquiète, ça m'arrange. J'ai marré. Ah oui, oui, oui. Un peu beaucoup bossé. Ok, ça marche. Mais du coup, comment ça s'est passé alors? Comment ça s'est passé, Manime? Et ouais, Alien, je pense que... Enfin, on va voir. On se prend pas la tête, mais dans tous les cas, ce sera en journée. Donc, mais je pense que ce sera pas pour de suite. Hein. Pour l'instant, je l'ai gardé installé et tout. J'y touche pas, mais justement, j'y touche pas, quoi. Ah, alors, attends. D'abord, on va vérifier par là. Hein. Alors, ça, c'est le petit côté. Ils sont horribles, ces bruits. Resident Evil, quand tu nous tiens. Non, non, mais moi, je veux pas de bestioles. Ah, elles sont chiantes en plus. Fuck, fuck, fuck. Vas-y, faut se casser, faut se casser, faut se casser, faut se casser. Ok, c'est juste un passage comme ça. Tant mieux. Ou pas. C'est quoi ce machin? Ah, ok, on est à ce passage bizarre qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. Oh my god, qu'est-ce que c'est? Un interrupteur. Qu'est-ce que ça fait? Ah! Ah! C'est quoi ça? Oh my god! What? Je vois même pas où est le machin. Putain! Je vais mourir! Attends. Déjà, on va faire ça. Ensuite, on va faire. Fuck! Maintenant! Maintenant! Je vais mourir ici comme une grosse dégueu. Fuck, fuck, fuck. Je vais mourir. Laisse-moi me barrer, sale truc. Oh. Mais je pense qu'il va falloir que je le bute. Ouh, alors attends. Je vois ton texte avant d'appuyer. Ça s'est super bien passé. J'ai 3 promoteurs qui vont me coter à la fin. Ils adorent ce que j'ai fait top. La plus exigeante, pointilleuse, me disait que l'écriture était bonne. Nickel, génial, agréable à lire. Et qu'elle n'avait pas plus de sources à me conseiller. Ce que j'avais fait très bien. Vu que j'avais très bien brassé la matière, d'accord, super. Là, je dois encore trouver 4 personnes à interviewer, retranscrire mes interviews et faire mon analyse, conclusion et intro. Je dois aussi apporter 2-3 petits changements pour la forme. Ok. Eh bien, félicitations, Nîmes. Déjà, c'est très, très bien. Et bah, écoute, après, c'est petit à petit... Ben ouais, mais c'est débile ce que je fais là.
Attends. C'est top. Parce que du coup, c'est bon signe, c'est encourageant pour la suite. Attends, je suis en train de me soigner en même temps. Et franchement, bravo. Parce que je sais que ça peut être super stressant et tout. Et sinon, si quelqu'un veut passer mon examen de philo à ma place, je prends. Alors, à l'époque, je m'en sortais pas trop mal. Mais je t'avoue que là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas si je serai capable. Mais non, c'est un bébé. C'est le tableau des dates de livraison de marchandises. D'accord, meuf. Ah, je suis là. Ah, putain, je visualise pas du tout le truc, quoi. Ah, attends. Du coup, là, c'est juste des fenêtres normales. Ok. Bon, on va avoir des cacas qui vont nous tomber sur la gueule, hein. Mais bah, ça, c'est très surprenant, hein. Ah, mais non! Attends. Les bébés dégueux! J'ai jamais fait de philo, mais j'ai l'esprit qui part assez loin, je pense. Bah, donc tu as trouvé preneur, je pense, Nîmes. Alors, la philo, c'était pas dégueu. Nous, on avait une prof, elle était énormissime. En fait, c'était... j'ai déjà dû vous le raconter et tout, hein, mais c'est pas grave, ça fait jamais de mal à le répéter. notre prof était déclarée malade mentale. Et en fait, elle avait ses jours hein, à l'hôpital et elle était déclarée apte à enseigner, bien entendu. Hein. Donc, surveillée et tout, enfin voilà. Oui, je vais prendre une canette de coca, ouais. Parce que je suis fan de coca, j'aime la bulle. Et en fait, cette dame, quand on arrivait dans sa salle, tu trouvais pas la prof. Et en fait, elle était planquée dans les placards, elle s'éclatait pour vous faire peur. Donc ça, c'était le petit jeu. Et après, c'était vraiment elle te racontait des trucs. Le soir d'Halloween, elle le passait dans les cimetières, elle hantait les cimetières et tout. Mais c'est terrible, quoi. Je reveux cette prof, elle était mais terriblissime. Jaja l'a eu aussi. Et franchement, mais qu'est-ce que j'ai passé des bons moments avec elle. Elle m'a fait aimer la philo, hein. On était cool et tout, on était pas nombreux à écouter. Et on aurait dit Jack Sparrow, c'est avec les médicaments et tout, elle était comme ça et tout, machin, mais énorme. 7 au bac en philo. Ah non, moi j'avais eu, je sais même plus combien j'avais eu. Mais j'avais une bonne note et bon, c'était quoi F2, donc ça servait à rien. Bon, parce que mon bac, j'ai dû au rattrapage, moi en fait, et... Eh ben voilà, en fait... Ça me servait à rien de prendre philo et c'est comme maths ou anglais. Tous les trucs que je pouvais prendre en... Au truc, c'est que des trucs où j'avais des bonnes notes en fait. Parce qu'à l'époque, alors l'anglais à l'oral, c'était anglais oral, j'avais eu 16,5. T'avais maths, j'avais eu 18,5, mais alors bon... Hein, je suis pas une tête, c'est juste que c'était des trucs simples, c'était équations de droite et statistiques. Hein. En secrétariat, c'est pas des trucs de ouf. Hein. Donc voilà. Et tu prends la porte là ? Et c'est vrai que du coup, au final, tu prends au rattrapage là où t'as eu 2,5, coef 8, où ça fait mal, écho droit, et j'ai eu à l'oral 6 ou 6,5, je sais plus, et ça m'a sauvé la mise. J'ai eu le peu de points qui me manquaient. Et puis c'est parfait. Ok, donc c'est une salle en longueur, avec des petites salles comme ça. Ok, allez, vas-y. Je peux y aller. Oh. 7 au bac de philo. Ah, Toto. Ah, pourtant tu réflexionnes, toi. T'as des... Non, pourquoi? C'était peut-être pas un truc qui te bottait. Lui, quand on dit qu'on pige pas ce qu'on lui dit, il balance que quand on veut faire de la philo, faut se mettre à niveau. Ah, super.
Mais tu veux pas me prendre l'autre là? Non? Tu te fous de moi là? Ok, ça c'est fait. Pour mon bac, j'avais une prof d'anglais, elle m'a mis 4 et espagnol 9. Ah! Ouais, mais après, de toute façon, on ne peut pas être bon en tout. Bon en tout. Et c'est pas parce que tu as eu ça en langue vivante que. Il y en a qui aiment pas, hein, de toute façon. Ça, ça veut rien dire. Hein. Je veux dire, moi, c'était tout ce qui était. Bah, les maths, en fait, c'était tout le temps. On voit le puits. T'as fait un grand détour. D'accord, ok, je suis contente de le savoir. En fait, moi, c'était... Je n'apprenais pas mes leçons. Et c'était tout ce qui se répétait, tout ce que tu écrivais une fois, ou les formules, à force de faire... Bah, j'écoutais en cours, hein, donc du coup, je notais, je retenais la formule parce que je l'avais notée. Et après, bah, allez, c'est parti, quoi. Moi, j'avais beaucoup de facilité avec ça, et en fait, je suis une putain de blandeuse, en fait. Donc j'espère que mes filles ne seront pas comme ça, et déjà rien que maintenant on le voit qu'elles ne seront pas comme ça, et heureusement elles ne tiendront pas de leur mère là-dessus, parce que sinon c'est pas que là. Hop là. Ok, alors attends, c'était une sacoche. Use. Sacoche de ceinture. Utiliser. Voilà, comme ça du coup... HP et MP à la fois. Alors déplacer. On va faire comme ça parce que là je suis quoi? Ok. Par contre j'ai pas beaucoup de HP en. Non, je vais pas utiliser ça pour ça. J'ai pas beaucoup de soins. J'ai que le médicament 3 là. Oh. Ah putain, j'ai que le médicament 3 en fait, c'est ça. Ils sont sérieux là. Bon bah vaut mieux que j'utilise mon soin comme ça alors. Hein. On va le faire une deuxième fois. Même pour la petite histoire, la prof d'anglais m'a dit démarre et... juste après... Oh! Lors de l'examen? Ils sont sérieux? Espagnol, j'ai arrêté au bout d'un moment avec 0,5 de moyenne. Fallait arrêter les frais, puis j'ai bossé en Espagne. Ah, bah c'est autre chose après quand tu bosses sur place. Mais t'avais 0,5 toi? Sérieux? T'as dû me le dire, mais tu vois, j'ai pas... D'accord. Ça crie. Ça crie. Vous voyez voir, notre buffet, il est vide. Ok, d'accord. Je sens qu'il va y avoir un truc pas très cool. Ce lit a l'air de ne pas avoir été utilisé depuis bien longtemps. Il y a un tiroir en dessous. Vas-y, bah tire-le. Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Bah tire-le. Il est vide. T'es sérieuse, là? Un sofa tout déglingué. Quelle poussière. D'accord. On a des beaux trous dans le plafond, là. Qu'y a-t-il dans ce placard? Là, je peux le déplacer, le placard. C'est pas possible. On le voit trop bien, là. Je vais aller voir si je peux lui faire quelque chose, ce petit placard. Sinon, c'est juste pour nous faire perdre du temps. Et la fille, là, c'est horrible de l'entendre comme ça, là. Wow. C'est quoi ce vieux film d'horreur, là? Mon pauvre Toto, je te comprends tellement. Bah, tu vois, voilà, lui, son problème, c'était l'espagnol. Moi, c'était le codroit, parce que c'est du par cœur et que je ne savais pas faire de par cœur, moi. Je peux pas pousser, tu peux pas pousser, tu peux rien faire là. Ça n'existe pas, tu peux pas pousser. C'est quoi ces marques par terre? On dirait que l'armoire a été déplacée. Ah bah oui, mais donc comment tu... Ah. Oh my god, mais c'est dégueulasse les bruits là, les cris. Mais je veux pousser ça. T'es sérieuse là? Ah, elle est fixée au mur par des boulons.
D'accord. C'est ça qu'on voyait. Ok, attends, ça, je t'ai pas vu, mais ça servait à rien. Donc, c'est parfait. Donc, on va se buter une vache. Les hurlements. Non, mais c'est dégueulasse, mon pauvre Toto. Oui. Va pas m'aimer. Voilà. Oh, salope. Sérieux? Mais non. Ah, je suis morte. Je vais mourir. Stop, 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 stop. Prends la porte. Prends la porte. Mais non, fuck. Putain. Éco droit, j'ai eu 16, j'ai fait un bac pro commerce. Ah yes, bah moi, il y avait que le droit qui m'intéressait, mais c'est du par cœur et du coup, ça m'a... Je sais pas où j'ai sauvegardé, ça me fait chier. Oh, putain. À moi, peut-être qu'elle bouge. En volée. L'armoire, peut-être qu'elle bouge en volée. Apparemment, en fait, je peux rien faire. Je pense qu'il va falloir que je trouve quelque chose pour déboulonner, en fait, les trucs. Ouais, merci beaucoup. Mais bien, franchement... Putain, j'ai sauvegardé que chez lui. Faut que je me refasse la cave et tout, là. Merde. Merde et merde. Bon. On va essayer de se faire cette phase-là et puis après... voilà quoi. Hey, merci Alex. Merci pour les pet-pets. Merci pour l'encouragement. Alors. Ah là 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 là. Je vous jure. Et là, j'ai de nouveau mes médicaments. Alors, déplacer ici. Après, il m'en reste combien? Il m'en reste... Pop, pop, pop. Lampe aveuglante, le problème, c'est que... Déplacer... Ça reprend un petit peu de tout. Hop là. Bon. Eh bien, écoutez, on va recommencer. Il n'y a pas à tortiller les fesses, hein, n'est-ce pas? Déjà, j'aurais pas dû changer, en fait, mon arme. Ah! Attends. Il m'a pas fait y aller avec le chien. Hop là. Allez, oui. Alors, oh putain, il va me redire le truc. Gna gna gna, je peux pas passer en plus. Il paraît qu'il y a un abri par ici. Un abri. Allez, vas-y, dépêche. Dépêche tes fesses. Je vais t'emmener avec ton chien. Mon chien, il va t'emmener. Tu vas voir, pardon. Allez. Hop, 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 hop. Putain, ça fait quasiment 2 heures, en fait, que je joue. J'ai l'impression de rien avoir glandé, en fait. C'est affreux. J'ai tourné, je me suis plantée. Je me suis plantée. Je suis morte. Et voilà. Ça arrive des fois, des vrais lives de la loose. Le seul moyen, c'est de passer par les pétries, d'accord, mais vas-y, allez. Tipi, tipi, titi, tipi, tipi, titi.
Allez, viens. Allez, viens, toutou. Y va. C'est parti. Faites, on fait le chemin. Ouais, allez, viens, on y va. Ok. Prends la porte! Comment je crie? Mais non! Ah bah bravo! Je perds plein de points là, non mais oh! Me faire mourir tes yeux. Je vais mourir. Merci. Pourquoi? Alors, sincèrement. Ah oui, quand même. Oui, ça a l'air mieux en fait. On dirait que le chien a un sacré balai dans le cul. Bah écoute, c'est un chien de l'époque, hein. On va dire ça comme ça. Alors, go. J'ai déverrouillé la poutre. Je me disais que tu étais sombre. Je suis une sombre crétine, en effet, je l'avoue. Hop là. Non, pas qui t'aime. Alors, donc on va voir le bidule là en bas. Comment j'ai trop peur. Allez, vas-y. J'ai descendu le câble métallique. Maintenant, je vais descendre les fesses dedans. Mais vas-y. Oui, vas-y. Je t'ai dit. Vas-y. Oh! Tu te bouges le fion, oui! Alors, on n'avait rien, et là on a des chauves-souris! Vite, vite, cassos! Cassos, cassos! Allez, 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 allez! Allez, je me permets une petite pause. Yes, bonne pause à toi, et re-bienvenue sur le live de la loose! J'ai la lumière! Et la lumière fut, mais pas dans mon cerveau par contre. Hein. Alors ça, je sais pas ce que c'est. À mon avis, on le verra après. On va le mettre sur on. Et surtout, voilà, on a un ami. On a un ami qui pue. Hop là, on va essayer de faire comme tout à l'heure et faudra qu'on vienne le buter plus tard. On a vu qu'il y avait une échelle quelque part. Hop, j'allumerai après. Hein. C'est bon. Hein. Une pause, un Kit Kat. Je t'entends depuis tout à l'heure, t'inquiète. Oh là là, mais ouais, voilà ce que j'allais dire. T'entends les cris surtout, t'entends les... T'entends les cris et le désespoir. Oh, désespoir. Comme tu nous tiens. Alors. Il y a un interrupteur. Ah bah non, du coup, je vais le laisser... Pff. Bah non, quand même, il dit... vas-y, on va le mettre sur off. Je sais pas ce que c'est. Pff, ça pue des fesses, non? Non, je vous aime pas, moi. Je veux pas vous voir là, vous. Je sais plus, il y avait des trucs. Alors. Sauvegarde, n'oublie pas. Sauvegarde. Oui, mais là, je peux pas. Ouais, je le ferai dès que je vois une sauvegarde. Mais là, il y en a pas là, si? Il y en avait une dans cette salle?
Ouais, je me prends des shoots pour que dalle, en fait. Mais c'est pas grave. Un Twix caramel salé. Mmh, trop bon, ça. C'est trop bon, ça. Mais c'est dégueulasse. Pourquoi vous me parlez de trucs à manger et tout, là? C'est pas sorti. Attends, il y avait deux trucs à prendre. Canette de coca, oui. Et il y avait un soin niveau 3. Vers le fond. Hop. Après, de mémoire, il n'y avait rien d'autre, en fait. Hein, ce qui est déjà pas mal. Voilà, hein, on fait ce qu'on peut. De mémoire, il n'y avait plus rien. Je peux déverrouiller, si je vais le déverrouiller, comme ça sera fait. Déverrouiller la porte et on va revenir ici. On... Ah si, je sais. Oui, le téléphone, il est là! Tu as raison. Je voulais aller voir, en fait, ici. Parce que nous avons les balles, les munitions. Ça... C'est le pack de munitions qui est à l'infini. Et du coup, Alex, je vais t'écouter. Je vais sauvegarder. Bien vu. Heureusement que j'ai mes assistants personnels quand même. Oui, je m'en fous de ce que tu me dis. Vas-y, je veux juste sauver là en fait. J'ai rien lu du tout de ce que tu me dis. Faut se nourrir de temps en temps. Ouais, ouais, mais... Il faut se sustenter. Moi, pour l'instant, je me sustente au lait aromatisé fraise. Oh, au lait aromatisé fraise. À l'eau aromatisée fraise. Alors. Quand je viens de finir mon dessert dans mon premier repas de la journée. Premier repas de la journée, Kyo. Mais t'abuses, là. En fait, il faut que je vienne faire pampan cucu, Kyo. Parce que là, t'es bien parti, en fait, là. C'est quoi ça? Tu t'es levé à 17h pour que tu me dises ça? C'est pas possible. Faut se nourrir de temps en temps. Oui, est-ce que tu as sauvegardé? Merci Alex, je viens de le faire. De façon pas trop facultative. Le repas, je suis sortie de mon lit à 14h. Bah oui, mais attends, même 14h, il est 23h quoi. Moi, t'as fait un petit déjeuner, non? Tu te fais au moins un petit déjeuner copieux quoi, si tu peux pas manger. C'est quoi ce travail là? Je vais te dire comme à Tony. Hein. Après, tu ne viendras pas te plaindre. Toto, lui, il se couche à 4h du mat et après, quand il doit se lever à 9h, eh ben, des fois, ça pique. Normal. Et puis, ben, après, moi, si je l'entends qu'il râle, ça va pas. Parce qu'il avait qu'à se coucher plus tôt. Ben, tu sais, c'est pareil. Toi, tu avais qu'à manger. T'as pas intérêt à me dire « je tourne de l'œil ». La meuf. Je suis pas ta mère, hein, je le sais. Hein, t'inquiète. Heureusement. Heureusement pour toi, je pense. C'est surtout heureusement pour toi, ouais, j'ai envie de dire. Hop là. Alors attends, là, il y avait quoi? Ça servait à quelque chose que je vienne là ou pas? Je sais même plus. Je l'ai fait il y a 2 secondes quand même, le truc, hein. Je crois qu'il n'y avait rien de ce... Ah, c'est du côté du... De l'autre côté. Chocolat. J'ai bu un lait chocolat chaud, dédicace à Nîmes. Oh, c'est trop bon, chocolat chaud. Et je suis en vacances, donc je profite. C'était une journée glandage. Et tu as bien raison. Moi, j'aimerais bien des fois une journée glandage. Mais justement, en fait... alors, je me fais pas des journées glandage. Mais le problème, c'est que... Bah, j'ai laissé un peu certaines activités un peu trop de côté et je ne me suis pas mise sérieusement. Donc du coup, on essaie de corriger ça en fait, tout simplement. Alors, on va mettre la sac à chaîne. Non, j'ai volé ça. On va se buter un bidule là. Tchouk tchouk tchouk. Ah oui, petite boîte utilisée. Ça ne sert à rien pour le moment. On verra si ça fait... du coup, tu me dis que... Alors, attends, fais voir ici. Une case et j'avais tout rempli. Ouais, ok. Canette de soda déplacée. Parce que c'est pas mal, ça, les canettes de soda, en fait. Hein. Ça donne de la vie
et du machin de... Voilà, là je prends ça, de la vie et du truc... des HP et des MP. Pas des messages privés, hein, ça sert à rien ça. Je fais de longues nuits. Ouais, c'est ça, après... du coup, t'es obligé de faire dodo. Toto, il est obligé de faire dodo après en... En journée. Putain, t'es obligé de charger à ce moment-là, toi? Mais non! Sérieux, Aya, tu fais yèche là, hein, quand même. Justement, je me suis dit, premier jour, glandage Netflix, etc. C'est clair, ça fait du bien. Et là, je bosse mon scénar, demain là, je ménage, etc. Bah, tu vois, moi, j'ai fait mes révisions, etc., etc. Alors après, j'ai eu un moment où j'étais un peu plus tranquille, hein, parce que j'étais en train de taper, en fait, j'avais ce que j'ai flouté sur mes cahiers, que je mettais, en fait, sur Word. Donc, du coup, j'ai regardé un peu le live de Noctis en même temps. Ce midi, on a regardé tranquillement, j'ai continué. J'ai fini en début d'après-midi, je me suis regardé un épisode et demi de Grey's Anatomy, et après, j'ai révisé dans la voiture, et puis, bon, ce soir, un peu plus tranquille, hein, mais... voilà, quoi. Ouais, après, il faut réussir un petit peu à... voilà, quoi. Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est... Je pense pas que ce soit des trucs aléatoires, je pense que c'est tout le temps, hein, les loot, hein. On va quand même vérifier, mais voilà, il est vide, c'est ça. Alors attends, un peu léger, Toto, sachant que Toto a besoin de sommeil. Il a besoin de vraies nuits, donc surtout qu'en ce moment, il va travailler. Donc il faudrait, petit message, qu'il pense à se coucher. Ah, oui. Les nuits ne sont plus très utiles. Oui, je compatis et je comprends entièrement, Toto. Je comprends, moi, c'est pour ça que je m'accorde une nuit de 10 heures une fois de temps en temps. Bah, tu vois, ici, alors moi, en général, là, en ce moment, c'est du, on va dire, je me fais une moyenne de 2 heures au coucher. Il faudrait que déjà je réussisse à réduire minuit et demi, une heure, un truc, tu vois, comme ça. Déjà, tu vois, que je gratte un petit peu. Après, j'ai moins besoin de sommeil, moi. Mais, je serais peut-être un petit peu moins sur les nerfs. Parce que je m'énerve vite. Parce que je suis fatiguée, mais j'ai pas forcément besoin de dormir en journée. Et de toute façon, j'ai toujours eu du mal avec ça. Après, je fais vraiment que quand je ne peux plus, que je ne tiens plus. Alors, avant d'aller voir la porte, on va regarder ce qu'il y a là. Des mines anti-char là-dedans. Ok, t'es mignon, Douglas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tonneau? Il est vide. Et dans ce tonneau-là? Oh, des cartouches de quoi, ça? Des cartouches normales, non? Allez, on va aller voir. Il va falloir que j'aille me coucher. Non, mais là, je vais essayer de pas trop tarder non plus. Les cris viennent de l'intérieur. Et du coup, tu veux pas rentrer par là. Ok, meuf. Mais oui, parce que du coup, là, il y a un truc à faire. Mais où est-ce que je vais trouver quelque chose pour ça? Là, c'est par là qu'il faut que j'aille, mais ça c'était sûr, des boulons avec des outils, je pourrais les retirer. Faut que j'aille au garage. On va essayer de voir au garage parce que j'ai rien moi dans mes items, hein. Je vais essayer l'aimant. Enfin si, on va essayer, mais c'est pas ça. Ce serait énorme que l'aimant me fasse ça quand même. Ah, mais t'es horrible à crier. Vraiment, il est horrible, ce truc.
Voilà. Ok. Donc, il faut... Bah, je vais aller, oui, dans le garage, hein. Où est-ce que tu veux que je trouve des outils, sinon? Alors... Télite, satellite. Alors, bah, écoute... ça va être par où le plus simple d'y aller? Parce que là... Ah oui, mais il y a les trucs en bas que je n'ai pas fait aussi, là. On voyait qu'il y avait des interrupteurs. On va essayer de se faire le mec en bas. Allez, vas-y, parce que moi, je suis une feignasse et j'aime pas recommencer 36 fois. Hein. On va aller sauvegarder. Eh, hey, salut, mec. Allez, je m'en fous, que ça. Hop, 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 hop. J'aurais bien aimé finir quand même cette phase de jeu. Mais... Hop, 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 hop. C'est où le plus simple pour aller au garage? Ou alors là, je fais tout le tour. Ou je peux passer? Non, je peux passer là. Par contre, elle est de nouveau non sécurisée. Mais ils sont vilains, ils mettent des monstres tout le temps. Sérieux, là, mais je veux pas, moi. C'est par là-bas? Oui, c'est ça. Il faisait dodo. Alors. Après, il y a le puits ici où on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais du coup, alors. Est-ce que tu vas me trouver des outils là-dedans qui peuvent être bien? Je sais pas où il y a les outils, moi. C'est un bidon. Il est rempli d'eau et machin chose. Ok. Alors, ça donne la rue. C'est celui-là qui donne la rue. Ouais, c'est ça qui va donner après au machin. Donc, non. Je vais aller voir là-dedans. Faut que je cherche des outils, quoi. Mais c'est le plus simple pour avoir des outils, mais tu les as dans... C'est lesquels? Lesquels? Où? Qui? Que? Quoi? Dans où? Eh, mec. Vas-y, il y a 36 trucs à chaque fois là-dedans, là. Allez. Oh la loose. Je me suis bien fait bouffer par ces trucs là. Alors maintenant, tu vas me trouver des outils, meuf. Dis pas qu'il va falloir que j'aille voir Coco là-bas. Hein. J'ai pas envie d'aller le voir là. T'es sérieuse là?
suis censée trouver quels outils, là? Ah. Ah. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant, tu te fous de ma gueule? On m'a dit qu'il fallait que je trouve des outils! Mais allez! Comment tu veux que je dégage des boulons si tu prends pas un outil? Mais meuf! C'est l'endroit le plus logique dans le Kikupouette. Faudrait que je me fasse un son pour le Kikupouette, en fait. Je l'avais mis histoire que les gens y puissent dépenser, en fait, mais j'ai jamais pris le temps de faire ça. Bon, par contre, là, tu vas me saouler, en fait. Je vais aller le voir. Il y a le junkyard où il y a du peuple. Mais à la limite, on va sentir ça. De toute façon, on est à côté de lui, alors... Je vais lui demander. Tu peux pas trouver un truc là-dedans, quoi. Après, j'ai vraiment pas fait le truc du bas aussi. Hein. Donc ça se trouve, c'est ça. Hein. Ah. Pff, sérieux. Mais non, sérieux. Solide boîte en fer. Vas-y. Est-ce que la... Alors, je sais pas ce que c'est la petite boîte là qui me saoule. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ah, et toi, j'ai pas chargé. Oh. Mais ouais, mais par contre... des balles en feu. Je suis pas sûre d'avoir envie d'utiliser ça maintenant. Fais voir quand même tes armes. Ah non, j'ai clairement pas assez de sous. Ok. Donc en fait, il fallait que j'aille le voir pour avoir l'autorisation d'aller fouiller dans ses outils. Non, mais c'est énorme. Sérieux. C'est pas cool ça, les mecs. Hein. Allez, ils vont pop sur ma gueule, là. Va à la porte, Aya. T'as trouvé la porte, c'est bien. Ils m'ont pas remis déjà les mecs. Ok. Bon bah tant mieux. Ça c'est déjà ça de pris. Et donc là, ils sont ici. Alors. Alors, le chien nous a emmené comme ça. J'ai pas envie de retourner dans le trou pour l'instant. Je pense qu'on se fera la prochaine fois. Là, on veut voir la salle, on veut sauvegarder, et je pense que j'arrêterai là. Pour ce soir, on arrêtera les frais. Parce que j'avoue que là, entre ouais, le soin, je fais pas assez attention aux soins, en fait, déjà, et tout. J'ai rien fait, mais c'est pas grave. On évitera les allers-retours et de se demander où on en est. C'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, moi... je ne fais pas les succès, finir le plus vite possible, les machins et tout, c'est pas possible pour moi.
Ah oui, et d'ailleurs, Resident Evil 8 Village va bientôt sortir. Et celui-ci, je vous le ferai du coup. Je vous le ferai en live. Donc, ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, hein, bien sûr, faites bien attention à vous. Moi, je sais quand c'est comme ça, je regarde juste les phases de jeu et encore pas forcément les boss et tout, mais phases de jeu basiques, on va dire. Et tout ce qui est histoire, je regarde pas en fait. Voilà, donc moi c'est un petit conseil, mais voilà, du coup il va bientôt sortir. Je crois que c'est le 7, un truc comme ça, j'ai vu tout à l'heure. Et du coup, ben voilà, c'est pas pour prévenir quoi. Bah c'est la semaine prochaine, je crois que j'ai vu. Clé à molette. Oui, j'utilise la clé à molette, vas-y meuf. Trop bizarre, mon chat il est pas là. Ouh. Il y a un énorme trou dans le mur. C'est bizarre. Comme c'est étrange. Alors par contre, à mon avis, il va y avoir un truc qui va nous pop dans la gueule. Vendredi 7. Oui, voilà, c'est ce que j'avais vu, ouais. Yes, le 7. Donc du coup, bah voilà. Toi aussi tu vas le faire du coup, hein, je pense, Kyo. C'est lequel qui me donnait de tout? Ou sinon, je vais juste me prendre les médicaments au cas où. Vas-y. Ah non, MP. Ah bah non, MP, c'est bien aussi, vas-y. Voilà, ok. Bon, bon c'est pas grave. J'ai hâte en même temps. J'ai peur, hein, sincèrement. Yes, Nim. Je sais pas, le 7. Alors, moi, j'ai bien aimé. Après, il va être encore différent, celui-ci. L'histoire, l'histoire a l'air space et le côté qui ça va être entre le Resident Evil 7 et le Resident Evil 4 si j'ai bien compris, ça peut être intéressant. J'ai pas pu faire la démo hein, du coup, mais je crois qu'elle était tout simplement pas sortie celle-ci pour moi. C'est le Reverse que j'ai loupé. Parce qu'ils avaient fait des dates et puis c'était à chaque fois que j'essayais, en fait, je suis tombée sur les mises à jour. Donc c'était magnifique. Donc en gros, ça servait à rien. Au fond de moi, je veux savoir pour Chris. Ouais, ben voilà, c'est ça en fait. Hein, mais Chris, plus tu avances dans le jeu, moins il se ressemble en fait. Bon après, il continue dans la lignée de RE5, etc. Hein, en même temps. Le 7, il se ressemblait pas du tout, et là je crois qu'il ressemble plus de mémoire par rapport au trailer. Il ressemble quand même un peu plus au Resident Evil 5, à la limite, qui passe mieux que Resident Evil 7, où franchement il se ressemble pas. Voilà, il a de nouveau sa tronche, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, moi je suis très curieuse. Après, sincèrement, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Donc, à voir, là ça va être une grosse curiosité en fait, hein. Quelqu'un a écrit un mot dans la poussière avec son doigt. Et c'est quoi le mot? Essayez de résoudre mon énigme. Dans la sombre demeure des taupes, la cloison a combien de tonneaux? Il y a deux tonneaux devant, je sais pas ce que c'est. Quand tu auras la solution, rends-toi à l'endroit suivant. La chambre de l'imprudent gamin dort à 21 printemps. Là où tu peux admirer le reflet de ton âme. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont sérieux là? Merde! Va se transformer devant moi. Ah, l'œil dégueu. Les... Ah! Non! Non, vous êtes pas sérieux, là. Mais je te reconnais. Mais non, je suis pas toi, putain. Pourquoi? Cette femme? Tu veux parler de ça? Mais c'est pas une femme! Regarde, ça va se transformer et ça... Mais sûr! Non mais c'est ça!
Ouais, car le tournant scénaristique de R.E. Oui, c'est ça. C'est toi qui as fait sauter la compolice. Est-ce que tu as seulement une idée du nombre de victimes innocentes que tu as fait? Tu as buté tout le monde. Quelques dizaines, non? Tu devrais me remercier, saloperie. Ce serait la panique à L.A. en ce moment si je ne l'avais pas fait. Putain, la première fois, j'en avais chié avec lui. Hein. Comment ça? Mais qui es-tu à la fin? Que sais-tu sur ces créatures, mec? Mais tu veux te battre, d'accord? Après tout, c'est la mitochondrie qui décide de notre sort. Mais non, je veux pas me battre. Oh putain. Fuck. Mais... C'est quoi ça? C'est une salle? C'est quoi? Waouh! Alors, soin! Attends. Non, je veux les armes. Je peux pas changer les... Casse-toi. Putain, mais non, mais vous êtes sérieux là? J'ai plus de balles avec ça? Ah si. Non? Mais non? 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 Ah. Ah bah putain Tu es comme Eve, on va bien s'amuser. Ok. Tu l'as rencontré dans le 1? Oh, c'est quoi ce truc chelou là?
Putain, c'est quoi ce truc? Hein? Oh my god. Tout à fait, Thierry. Encore un tueur qui bodyblock l'enceinte de DBD, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, après, il fallait. En fait, faut vraiment juste courir, t'éloigner, courir, t'éloigner. Putain, t'es 3 balles. Putain, c'est là-dedans. Il y a le bip, il était trop chelou. J'ai cru que c'était chez moi. Je comprenais pas ce que c'était. Le LSD, pardon, ne fait pas du bien chez les devs de jeux vidéo. Non, mais c'est ça le thème de Parasite Eve. Ouais. Mais j'aime pas toutes les musiques hein, qu'il y a dedans. Hein. Il y en a certaines qui sont sympas, mais t'en as qui sont un peu relous quand même. Ouais, c'est ça, hein, Kyo. My god, c'est quoi ce truc chelou, là? On m'a foutu de la mitochondrie en moi, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire? Non, 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 je veux pas faire ça, hein. Je veux sauvegarder. Mais t'es parti où hein? L'intro du premier était folle d'ailleurs. Yes. Ah ouais, ouais, mais carrément. Hein. Ah. Une jolie histoire. Ah, c'est l'image du jeu, de la couverture. L'image de la couverture. Putain. Putain, t'es beurré ou quoi, toi? Je sais pas comment il avance. Kyle Madigan. Eh, méchante, arrête de me cramer, quoi. Oh. Il était folle. C'est une mytho. Ne tire pas. Le vieux m'a dit que tu étais là. Madigan, c'est toi? Ben oui, c'est moi qui te veux que ce soit. Oui, je peux baisser les mains maintenant. Ouais, vas-y. Oui, excuse-moi. Putain, il fait gros, là, quand tu dois regarder sa tête, il fait gros. Comment on le voyait par rapport aux histoires? Qu'est-ce qui se passait ici? Ah bah, je sais pas, chez toi, Daivap, mais je crois que je l'ai tué, mais je suis pas sûre. De qui tu parles? Il n'y a personne ici. Ah bon? Pourtant, il y avait un corps cramé par terre. Mimi? Non, c'est bon, il n'y a rien. Il a sauté comme une furie. Bonjour. En fait, je te kiffe. Non, j'ai demandé au vieux pour l'abri. Il m'a dit qu'il était dans la montagne. Elle descend de la montagne à cheval, tout près du repère des monstres. Un repère de créatures? Non, mais tu rêves ou quoi? Ça n'existe pas. Mais il paraît qu'il faut faire un grand détour en voiture pour y aller. Ah, pas de problème alors, hein. Mais ta voiture, elle est cassée, donc il va falloir que tu viennes avec moi. J'en attendais pas moi, meuf. Ok. T'as dit moi, t'as dit, ouais. Ah, la déformation professionnelle, hein, quand il y a certains mots comme ça, c'est... moi, quand j'entends ding-dong, je pense you touch my tralala. Enfin, voilà, c'est... Non, je ne veux pas que tu sortes, meuf.
Mais elle sort à chaque fois. Je voulais juste déverrouiller la porte, meuf. Non. Je rentre dedans, je n'ai pas fouillé. Matt aussi. Je te jure. Mais en plus, Toto, lui, il a la chanson, là, quand il est sur ses lives. C'est pourquoi, d'ailleurs? C'est pour les follow, les subs, c'est quoi? Il n'y a rien de particulier. Bah non, de toute façon... À mon avis, là, oui, en effet, t'auras rien de particulier, mais... T'as l'énigme chelou, là, mais je pense que je vais me la noter, quand même. Hein. Une robe de petite fille, mais elle est toute abîmée. Vas-y, je m'en fous de ta robe de petite fille. Pardon, hein, je... Alors, je vais retourner voir si... Je vais retourner voir l'énigme. Comme ça, si je vois quelque chose qui m'intrigue, qui m'interpelle, on se le fera. Mais non, mais je m'en fous, je veux l'énigme, elle est où? Mais... Tu te moques de moi, là? On voit la lune, mais je m'en fous de la lune. Miaou, ça va, mon chat? Mais non! Ben, l'énigme, elle était dans le coin, là. Je suis pas foule. Je suis pas foule, quand même. Elle est où, mon énigme? J'aurais dû la noter. Mais... C'était là, dans le coin là. Mais non! Oh my ding dong. Début follow et fin sub. Ok. Ok, t'es un malin toi. Moi j'ai mis des musiques de Killer Instinct. Parce que c'est l'un de mes jeux préférés, l'original. Oh, le nouveau, j'ai joué un petit peu, hein. Ça reste sympa, mais c'est vrai que l'original, le premier, j'étais tellement fan, j'ai tellement joué. Et bah, Toto m'a dit que ça devrait pas craindre trop au niveau des droits et tout, du coup j'ai voulu essayer. Mais fuck! Tu te fous de ma gueule là? Bon allez, cassos les mecs. Cassos. Les droits de musique de jeux vidéo, majoritairement ça passe. Mais non. Porte. Porte, il fait nuit maintenant. Oh. On fait peur. Je voulais sauvegarder en fait. Mais. Donc c'est après alors la scène de la douche? J'ai pas fumé, on l'a pas vu la scène de la douche. C'est quoi cette espèce de gremlin chelou là? Ok, je veux sauver avant d'y aller. Hein. Merde, ils ont saccagé ma sedan. Nintendo moins d'accord, ok, ça marche. Mais c'est vrai que Toto m'avait expliqué un petit peu par rapport à ça, donc j'ai pas fait des grosses séquences. Elles doivent durer, je pense, la plus grande de mémoire. Je crois qu'elle fait 16 secondes, un truc comme ça. Mais parce que j'aimais bien, moi, quand je vais sur certains lives, oui, qu'ils ont la petite musique, c'est qu'il va bien comme ça. Et ça, c'est appréciable, je trouve. Médicaments niveau 2, ok. Alors attends, juste. Oui, comme le joueur du grenier qui a mis les musiques version jeu vidéo de Harry Potter pour ne pas être démonétisé. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, ce que j'avais pensé, c'est, tu vois, si je voulais faire des trucs avec, comment dire, mettre des musiques, par exemple, je sais pas, j'adore Linkin Park, si je voulais mettre des musiques de Linkin Park, par exemple, ce que j'avais pensé, c'était mettre des covers, par exemple. Parce que je pense que, enfin, logiquement, il n'y a pas de droit d'auteur sur les covers. Voilà, donc je sais pas
comment ça se passe. Je me suis fait mute que sur des musiques de manga perso. Ah ouais? Eh ben tu vois, dans mon intro et mon ending, en fait, c'est... si tu veux, je te le mettrai à la fin. Là, de toute façon, je vais arrêter là. Non, je peux plus sauvegarder? Tu te fous de moi? Oh, les salauds! Donc, je vais aller dans ma chambre. Juste, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la musique d'Elfen Lied que j'ai mis en intro et tout. En fait, c'est un remix exprès. Parce que je me suis dit que ça serait mieux. Ouais, Linkin Park m'anime. D'ailleurs, tu vois, derrière, à un moment, j'avais hésité à mettre... J'ai un drapeau, mais je crois que, de mémoire, il est à la verticale. Mais bon, après, c'est un drapeau que j'avais eu. C'était un pote qui me l'avait donné. C'est pas un des trucs que je préfère, tu vois. L'image, elle est pas... voilà, je l'avais accroché dans mon ancienne chambre et tout, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est... Megaman 2, où t'as eu un mute. D'accord, ok, ça marche. Moi, c'était sur la chanson de GLaDOS à la fin de Portal. D'accord. Ok, bah au final, ça va. Ah, cover, ça passe parfois. D'accord, ok. Donc, c'est que ça passe pas forcément tout le temps, alors. La chanson de GLaDOS, c'est tellement belle. C'est un remix de ton intro. C'est pour ça que ça passe. Voilà, mais c'est ce que j'ai voulu tenter, ouais. Je me suis dit, au moins, là, logiquement, t'auras pas de problème. Parce que ça, c'est même pas, tu vois, le remix, t'as pas... même si t'as les notes... Attends. Super, il faut que j'aille là où il est. Je vais aller dans ma chambre. Je veux sauvegarder. Et c'est vrai que... donc t'as pas, oui, t'as la petite musique, tu l'entends. La petite boîte à musique, mais tu l'entends pas comme dans la chanson elle-même en fait. Alors, encore ou pas? Déjà, recharge. Techniquement, les droits sont les mêmes, cover ou non. Mais l'algorithme ne le détecte pas. D'accord, ok, ça marche. Merci pour les explications. Attends, je vais finir de lire après. Finito. Ça marche. Le bot reconnaît pas la sonorité, donc ça passe. Mais oui, exactement comme le dit Toto, techniquement on triche, mais les droits de tout remix ou cover restent à l'auteur. D'accord, ça marche. Merci pour les explications, messieurs. Alors, hop. Bon. Alors. Yop. Sauvegarde. Et on arrête là. Hop là. Ah là là là. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose de particulier? Où est-ce qu'il est passé? Bon, c'est pas grave. Allez. Non, il n'est toujours pas rentré, tu te rends compte. C'est plutôt rare, non? Mais tu sais, il a du succès. Si ça se trouve, il est avec une gonzesse, mais je m'égare. D'accord, ok. T'es trop mignonne, toi. Quoi? Tu vas inspecter l'abri? Bon, d'accord, je transmettrai à Al. Donc, de toute façon, on sait ce qu'on doit faire. Ok. Allez. Yes. Bah, je vais regarder du coup s'il y a quelqu'un qui est en live encore. Pour voir après si vous savez. N'hésitez pas à me dire. Je sais pas, vous êtes combien là? Je vois 5 personnes. Ouais, un petit raid de 5, ça peut le faire. Alors attends. Je crois qu'elle est contente d'en finir. Erwan, ah oui, 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 Erwan. Et il fait quoi? Il fait du rétro? Il fait de l'art, là? Erwan, j'adore. Le seul truc que je passerai en fair use pour une œuvre, c'est l'utiliser... Attends. C'est l'utiliser pour en faire une critique ou une parodie, mais... Une parodie? Putain. Non, mais faut vraiment... Faut vraiment que j'arrête, moi. Une parodie, mais l'algo ne comprend pas le fair use. Ok, Toto. Ça marche. Bah du coup sur Erwan.
sur Erwan avec plaisir. Bonne soirée. Oui, Alex, des bisous. Bonne soirée, à demain. Donc, nous, on aura les filles. Hein, donc, je ne sais pas trop comment la journée va se passer. Donc, voilà, attendez pas trop après moi. Dans tous les cas, Toto live jeudi. Moi, vendredi, donc, en cours de négoce. Mais vendredi, il y en aura un dans tous les cas, vendredi soir. Jeudi matin, normalement, je me fais, j'avais dit, du Assassin's Creed Valhalla. Samedi, Fall Flat. Attends, Human Fall Flat. Ah, putain, j'ai du mal. Avec Toto. Et dimanche, soirée Discord. Donc, c'est on va se regarder Princess Bride à 21h. Voilà, donc ça, c'est hors live. Voilà pour les petits rendez-vous. Et bien sûr, les rendez-vous chez les copinous. Alors, attends, je vais passer, du coup, sur l'écran. Donc, vous allez peut-être plus voir Aya, du coup, parce que ça va peut-être merder. Voilà, vous allez voir mon chat et des pubs super Pékin Express et tout, mais j'aime un bas les steaks. Un de ces jours... Ah, attends. Tu peux... Ouais. Ce serait peut-être bien qu'un jour je fasse ça, en fait. J'y pense jamais. Alors, voilà, c'est l'occasion. Alors, tu m'as dit R1. Alors, attends, ça s'écrit R_1, normalement. Je crois que c'est ça. Je vérifie. C'est ça. Ok, ben allez, on va se... Ben, je vous rejoins là-bas, hein. Je vais me faire une petite pause et puis je vais venir squatter un petit peu, pas longtemps, parce que je suis quand même crevette, mais voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, merci à tous, merci pour les explications, pour le soutien, et je vous fais de gros bisous, à tout de suite chez Erwan. Ciao, ciao les loulous. Alors, du coup, je me suis pas mis chez Erwan.